Thank you.
Seigneur, servir l'Éternel avec toi, venir avec allégresse dans sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son cœur et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses pavis avec des cantiques. Célébrez le Dieu de son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté vit toujours et sa fidélité est de génération en génération. Amen. Moi te décide pour suivre Seigneur. 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 David dit dans son 37, verset 3, avec Saint, il dit que confiez dans mon Dieu. Pratiquez ça qui vient. Gain pays pour demain et gain félicité pour partir. Fais l'Éternel ta délice et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais l'Éternel ta délice. Il prend la roue, ça que cœur décide. Recommandez son nom à l'Éternel. Mettez dans mon Dieu toute confiance en soi. Il prend agir pour vous. Maintenant, fermez les yeux. Parle à mon Dieu. Moi-même, m'appelez-vous. Le Dieu, papa, nous qui dans le ciel là. Encore, mais nous, étant que pauvres pécheurs, agenouillez devant face bénie. Côté vraiment Seigneur, nous tous qui l'a à soigner. Nous ce pécheur, nous croyons dans Jésus qui te verse sans son croix pour nous. Eh bien, dans son Jésus à soi, nous approcher devant nous. Permettez-nous Dieu. On va pardonner nous dans le sang Jésus. Et mon Saint-Seigneur, gros de séparation qui barre nous, qui ne faut pas attendre nous, qui ne faut pas avoir nous, sans Jésus propre pour le faire nous blanc, même genre avec la neige. Alors, mon Saint-Seigneur, nous sommes certains au nom de Jésus pour pardonner nous, qu'on y a avancé par la foi à vos côtés. Non, avancez parce que vous du côté deux mouns, trois mouns, réunis un peu pour prier, ou là, maintenant nous plus que 50 là, soyez.
ou là en personne, ou là en esprit. Permettez mon Dieu, pendant tout le monde qui est là-haut, il y a plein de vents, il y a tout mon Dieu, mes problèmes, mes problèmes, mes sommes, mes santé, mon frère pour moi. Nous renonçons au bon Dieu qui t'en dit. Lorsque tu es à battre, vous prenez tout ça, tout le monde a dit là en même temps. Permettez mon Dieu, vous capable résoudre le problème qui doit résoudre. Vous capable, Seigneur, délivrer le monde qui nous délivrer. Ou capable, Seigneur, casser le corps, moun qui vient votre mari. Et Seigneur, même ça vient, l'esprit impur qui marie le Seigneur, qui possède le. Pardonne-moi la danse là, Seigneur, fais miracle là. Délivre le nous a pour nous être capable de bénir le Christ. Or, dans le moment ça, Seigneur, nous présenterons tout le monde qui l'a à soi. Nous, chaque qui l'a, Seigneur, nous sortis quelque part en Haïti, dans des communes, dans des villes. Mais nous, chaque Seigneur, il y a une façon que nous comprenons la Bible. Mais on sait la réalité que nous connaissons. Lorsque c'est l'Esprit de mon Dieu qui parle, tout le monde comprend même gens. Quel que soit les gens qui comprennent la Bible, l'Esprit de mon Dieu a transformé pour qu'on comprenne ça, mon Dieu dit. Permettez que mon Dieu va penser à la passe de l'esprit. Ou qu'on va envelopper pasteur nous, soir après soir, qu'apporte le bien spirituel pour nous. Permettez que mon Dieu assoya, parole la capable agir dans le cœur nous. Permettez que mon Dieu parole la sauver. Permettez que mon Dieu nous va faire gérer. Et Seigneur, les jours de la mer, nous viennent 3 semaines à passer comme ça. Nous viennent à passer une semaine, presque et demie. Pourquoi? Mais nous prenons le Seigneur. Nous faisons là pour tout le monde qui va venir visiter nous là. Pour lui, c'est l'éternel qui est Dieu. Amen. Parce que le Seigneur va le casser contre, on va délivrer le monde, on va le guérir le monde. Et ça qui va mettre le travail à chercher depuis longtemps, on va là au travail. C'est pour nous capables de glorifier. Tant lui, Seigneur, bénis chaque monde qui l'a assuré. Tant que personne sorti, Seigneur, sans que vous ne présence dans nous-mêmes l'a assuré. Fais un sorti, Seigneur. Seigneur, que le monde a demandé de nous, nous vivons exactement sorti, présence nous. Mais assuré, Seigneur, fais une grâce. Descendre, qu'on descende déjà, avec chaque monde qui a assuré, le frémit. Et cet esprit, capable de parler avec nous chaque. Capable de bénir nous. Bénir l'église là. Bénir chaque département qui est dans l'église là. Bénir chaque famille qui est là, Seigneur. Nous avons des femmes enceintes qui sont là. Nous avons des gens qui ont toutes sortes de maris qui n'ont pas connu comme nous connaissons. Mais nous avons une délivrance pour chaque monde. Nous comptons sur vous, Seigneur. Parce que boîte qui nous menons, il nous remplit avec boule de papier qui est toutes sortes de prières. Qui est tout sorti de mort, qui est bon Seigneur qui t'a enlevé, qui est venu, qui peut pas finir, qui n'a pas fini quand même. Peut-être que le camarade va être boulé, prié, même si Seigneur n'est pas là, il fait que la vie permet de monter, maintenant on va résoudre le problème par nous, même si Seigneur a fait bonne prière par nous, réponds prière au Seigneur. Tant de prières au Seigneur, assistez-nous là depuis le commencement jusqu'à la fin, permet de se laisser. Et cet esprit va saisir ça là, après chaque monde qui l'a, il va servir réellement pour sa vie présentement dans la vie. Nous comptons sur vous, nous allons prier en qualité de mon Dieu, mon Dieu Seigneur. Mais nous prions dans le nom de Jésus, car il est le bonheur, la gloire, la vie qui s'en est maintenant au siècle de Dieu. Amen. Moi, je te laisse, mon Dieu, le Seigneur.
Jesus,
Oui, nous bien à soi. Parce que nous reconnaissons que c'est nous-mêmes seuls que nous gagnons. Et après nous-mêmes, pas de l'autre encore. Notre Dieu, il y a une bouche, il n'y a pas qu'à parler. Il y a des yeux, il n'y a pas qu'à voir. Il y a des mains, il n'y a pas qu'à toucher. Il y a des pieds, il n'y a pas qu'à marcher. Mais mon Dieu, pas loin. Il fait ciel, il fait la terre, il fait la mer, il fait les rivers, il fait les lacs, il fait les galaxies, il fait les constellations. Mon Dieu, pas loin, les vivants au ciel des cieux. Amen. Assoyez, nous venons prier au Seigneur, parce que c'est nous-mêmes seuls que nous gagnons. Si nous trouvons grâce dans Dieu, assoyez, qu'on est capable de faire par nous. Après avoir pardonné nos péchés, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, fais-nous la gloire manifestée à Soya. Et c'est pour tout le monde qui a parti et de reconnaître que c'est l'Éternel qui est Dieu. Fais ça pour nous, Seigneur. Jésus, te prie, visitez-nous à Soya. Visitez-nous à Soya. Visitez-nous à Soya. Au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, par le nom de Jésus, lui qui vit et qui demeure, dès sa présence et au siècle des siècles. Amen. Amen encore. Amen. Amen plus fort. Amen. Mesdames, messieurs, bienvenus dans le Seigneur, sœurs et frères, que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous tous. Amen. Mesdames, messieurs, bonsoir. Mesdames, messieurs, bonsoir. Nous comptons voir à soi. Et à soi, nous comptons parce que nous, ensemble, une nouvelle fois, et nous allons parler dans nos bons dieux. Parce que mon Dieu est bon. Amen. Est-ce que mon Dieu est bon? Amen. Oh, God is good. All the time. God is good. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Sans doute, nous comptons voir à soi. Côté Jean-Louis. Ah, ok. Côté nous. Ok. Côté notre ami. Côté Jata. Hein? Ah, notre ami qui l'a Valéria. Le nom en français? Pardon? Ah, il vient de côté en haut. Ça fait deux. Manquer deux toujours. Côté notre ami. Parce qu'il y a quatre. Yes. Nous avons une soirée que mon Dieu bénisse. Amen. J'espère que nous sommes capables, mon Dieu, à permettre que tout le bagage est capable de okay, à la gloire de Dieu. Amen. J'espère que si elle a fait grâce pour me parler sans trop grande difficulté, je ne sais pas comment ça passe si c'est un virus, ou bien ça passe là, mais Jésus contre tout le bagage. Et Jésus nous fait grâce. Amen. Et d'espérer la ferme grâce encore à soi. Amen. Amen. Le sujet de ce soir, sans pas trop tarder, il te manque encore. Sa sujet à soi a dit. Sa sujet à soi a dit. Il te manque encore. Il te manque encore une chose. Allons aller. Dans Luc chapitre 18, un chef interrogea Jésus et dit, « Bon, mais que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» C'est pas une belle question. C'est pas une belle question. La question est importante et la question est légitime. Qui ça pour me faire pour me sauver ? N'est-ce pas une belle question, bien-aimé ? Et ma question, nous, toute la table posée. Qui ça pour nous faire, pour nous sauver? Qui ça pour nous faire, pour nous aller dans le ciel? Parce que nous-mêmes, avec nous, devons aller dans le ciel. Amen. Et on servant de bon Dieu, qui écrit mon texte, lui dit, pour chaque homme sur la terre, il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Amen. C'est Ellen G. White qui écrit ça. Il dit, pour chaque homme sur la terre, il y a un ciel à gagner
et un enfer à éviter. Le chef de Jésus, il dit, bon mais, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il y a un évangéliste qui écrit, il y a même dit, t'es lié non seulement riche, les riches et les chefs, il vient de côté Jésus. Il dit, mais qui ça pour me faire pour me sauver? D'ailleurs, l'homme riche, ou déjà chef. Voilà que d'être ça, les riches et les chefs. C'est-à-dire, il n'y a pas de barrière même. Et bien, il n'y a pas de limite. Parce que les riches et les chefs, d'ailleurs, l'on peut nous dire comme président, monsieur riche et les chefs. Ça n'est pas des choses encore. Allez, il y a un pouvoir. Et bien avoir. Est-ce qu'on a? Yes. Il y a un monde qui vient pouvoir et il y a un monde qui vient avoir. C'est un gros causé. Il y a un pouvoir et il y a qui ça encore? Avoir. Il y a un pouvoir parce que c'est chef. Il y a un avoir parce que c'est richesse. Amen ou pas? Amen. Ou t'as pas comparé de ça à président Tion. Président Trump, c'est une pire président qui est sous la terre. Parce que il s'est président la première puissance politique, économique et militaire du monde. Et non seulement monsieur a pouvoir, parce que c'est chef, mais président Trump qui a avoir tout, parce que monsieur a un peu de 4 milliards de dollars. Il va-t-il causer, non? Il a bon 100 000. Il y a l'argent, il y a la richesse et il y a le pouvoir. Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Dans Matthieu 19, verset 16 et verset 17, il dit, et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, mais que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Ou encore, qui ça pour me faire de bon pour me capable sauver? Le verset 17, il lui répondit, Jésus lui répondit, c'est le jeune homme riche. Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements de Dieu. Amen ou pas amen. Amen ou pas amen. Le jeune homme de Dieu à Jésus, lesquels? Wow. Il posait Jésus question. Qui ça pour me faire pour me sauver? Jésus dit, si on veut sauver, observez les commandements de Dieu. Et le jeune homme de Dieu à Jésus, mais lesquels? Quels sont ces commandements? Et c'est ça que nous allons voir ce soir. Et dans Marc, parce que il y a l'évangéliste, il y a quatre évangélistes, il y a Matthieu, il y a Marc, il y a Luc et il y a Jean. Dans Marc chapitre 10, verset 17 et le verset 18, Jean a écrit en Jésus à lui-même. Mais nous sommes Matthieu qui parlait de lui. Nous jouons Marc qui parlait de lui et nous jouons Luc qui parlait de lui. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme a couru et se jetant à genoux devant lui, Kounia, il était à genoux devant Jésus. Bon, mais, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Ou encore, que dois-je faire pour être sauvé? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Wow! Maintenant dans le chapitre 18, verset 20. Tu connais les commandements, a dit Jésus. Tu me connaîtras? Oui, l'adultère. Tu me tueras? Oui. Continue. Tu me devras? Oui.
Jésus cité par Jérôme. Jérôme dit Jésus, mais qui ça pour me faire pour me sauver? Jésus dit, si vous voulez sauver, observez les commandements de Dieu. Et le jeune homme dit à Jésus, mais quels sont ces commandements? Ou dit, si vous voulez sauver, observez les commandements de Dieu. Mais qui commandement ça est? Jésus cite dans le jeune homme, quelques commandements, des 10 commandements. Les commandements de cité, tu le connaîtras, point d'adultère. C'est le 7e commandement que vous devez hier soir. Là, vous avez une femme adultère là-bas, Jésus. Jésus dit, je ne suis pas condamné, mais va et ne pêche plus. C'est-à-dire, vous êtes accusé comme monde qui t'est transgressé, qui ça? La loi de Dieu, le 7e commandement de Dieu, les 10 commandements de Dieu. Tu ne devras point, tu ne diras point de faux témoignage. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Wow. Le verset suivant, Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Wow. Je l'ai entendu Jésus, moi observé tout commandement. Yo. Et Jésus dit, eh bien, puisque vous observez le commandement, yo, mais vous manquez un bagaille. Bien-aimé, à soi, ou même qui l'a, ou capable de marcher avec mon Dieu, nous manquons un bagaille. Vous attendez à maintenant. Ou qui doit observer Jésus, ou qui doit dans l'église longtemps, ou qui doit marcher l'église. Mais au bout de bagaille, comment que Jésus a parlé avant à Soya et lui dit, il te manque encore une chose. Attendez, on a marché avec Jésus. Il nous connaît qu'on a marché avec elle. Mais pendant qu'on a marché avec elle, on est capable de manquer de bagaille. Et c'est peut-être ça. Jésus dit, il te manque encore une chose. Et qui ça, je l'en ai manqué. Jésus dit, je l'en ai, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devient comment? Tout triste, car il était. Wow. Il se tenait en pile quoi? Il se tenait en pile l'argent. Et attendez, Jésus dit ça, il devient comment? Tout triste. Le verset 24, Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer qui devait. Aïe, aïe, aïe. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors, ceux qui l'écoutaient dirent, et qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Bien-aimé, ça les hommes pas qu'à faire. Bon Dieu qu'à faire. Qui va gagner les hommes pas qu'à faire. Les hommes pas qu'à sauver. L'argent pas qu'à sauver. Connaissance pas qu'à sauver. Relation pas qu'à sauver. Mais nous qui a sauvé, il est Jésus de Nazareth. Mais pour Jésus sauver, il va être pour faire tout. Allez, l'on aimé mon Dieu, il va être côté aimé, on va le haïr. Il va être côté haï, on va haï avant, on va le aimer. Parce que l'on servi mon Dieu, ce n'est pas Jean voulu, mais c'est Jean mon Dieu voulu. Est-ce qu'on est d'accord ça? Tenez, Jésus cité combien commandement? Tu ne connaîtras pas la Dieu, ça fait combien? Tu ne tueras point, ça fait combien? Tu ne devras point, ça fait combien? Tu ne porteras point de faux témoignage, ça fait combien? Honore ton père et ta mère, ça fait combien? Jésus cité ses commandements. Est-ce que c'est ses commandements seulement qu'il y a? Non.
messieurs, que commandement Jésus cité, il fait partie des 10 commandements. Jésus cité 7 commandements dans la deuxième table de Pierre là, et il y a 6 commandements. Jésus ne fait que citer quelques commandements. On nous regarde côté commandement ça y est, bien aimé, assoya rapidement. On nous regarde côté commandement ça y est, il fait partie de la constitution divine, la loi de Dieu, la constitution de Dieu, les commandements de Dieu, la loi de Dieu, bien aimé, la constitution divine. Bon Dieu va être deux tables de pierre. Première pierre a gagné 4 commandements et deuxième a gagné 6 commandements. On nous regarde pour nous, elles sont 20. Dieu, alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, à nous dire ensemble, lis ensemble avec. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Premier commandement dit, tu n'auras pas d'autre Dieu. Combien bon Dieu gagne? Bien aimé, ne pas prier au bout, ne pas prier Vierge Marie. M'a prié Jésus-Christ et m'a prié Jésus. Amen. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est le premier commandement. Premier bagage, mon Dieu dit, l'Éternel identifié. Il dit, je suis l'Éternel. Mon Dieu identifié d'abord aux enfants d'Israël à la sortie du pays d'Égypte. Il dit, oh, je suis l'Éternel qui te fait sortir du pays d'Égypte. Bien aimé, ou même avec nous des esclaves péchés dans le monde. Les Jésus retirés nous, c'est même pareil à te faire pour Juifio. Nous des esclaves en Égypte. Moi même avec nous des esclaves dans le monde. Péché t'a dominé la vie, nous. Mais là, nous vivons bien Jésus. Nous ne sommes pas encore qu'on y a de son monde nouveau. Amen. Nous ne pas mettre tête nous encore qu'on y a c'est Jésus qui met nous. Amen. Et qu'on y a, nous devons obéir Jésus. Jean Jésus m'a dit non. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Deuxième commandement. Tu ne feras point d'image taillée. Continue donc. Ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux. Aïe, aïe, aïe. Dieu sait comment dit, pas faire image taillée, pas mettre à genoux devant statue, ni bagaille qui est dans le ciel, ni bagaille qui sur la terre, et ni bagaille qui en bas la terre, pas mettre à genoux en bas, parce que l'Éternel dit, je suis un Dieu. Jaloux, troisième commandement, tu ne posterneras point devant elle et tu ne les serviras. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui. Verset 6, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent. Les gars, bon, tu l'aimes et qui gardent les commandements, la bénir jusqu'en 1000 générations. Les gens qui va observer les commandements, la punir jusqu'à la troisième et à la quatrième. Et là, quand les glorieux de mon Dieu a béni jusqu'à la millième génération. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Quand les glorieux observent les commandements, mon Dieu, les observent, mon Dieu, où sont bénédictionnaires pour famille, où sont bénédictionnaires pour parents. Quand les gens qui vont à côté, ils ont été mourir, mais à cause de même quand servi, mon Dieu, ils ont protégé. Regardez, là où les chrétiens habitent nos quartiers, il y a des loups-garous qui ont fait des respectants, des bisangos qui ont fait des respectants, mais à cause qu'ils ont servi des bon Dieu qui l'a, il n'y a pas capable. Là où les chrétiens habitent nos zones, ils sont en protection, ils sont en bénédiction. Amen. Quand on a péché, on est allé dans Marie, dans une croisade. Qui côté la mariée? La mariée, c'est après Moron, ou après Moron, ou après Chambellan,
ou prend, non, pas quoi, pire, pas quoi, pire, c'est sous côté. Après Chambellan, ou prend la Marie. Après la Marie, ou prend, un zéro. Après la Marie, ou prend, qui vous le prend pas? Aïe, 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 on va connaître, on va me payer. Ou prend un zéro, après un zéro. Très bien, ou prend les Iwa. Avec le Marie. Regardez, il y a un soeur qui est le soeur Marie. Il est tellement fait chaud, car il est bon la rue. Il est tellement fait chaud, soeur Marie vient dormir en bas de la rue. Et puis, il y a un moine qui sont en haut. Et puis, il y a un bon loup-garou qui a sorti en haut, qui a descendu, qui a entré dans la ville. Là. À cause de soeur Marie qui a dormi en bas de la rue, là. Mais quand il est bon la rue, là. Mais la rue là, et puis les cailles sur la rue. Et les valeurs croisades là, nous avons 5 pasteurs qui étaient allés. Et bien aimé, ce mari a raconté l'expérience là. Il est dormi en bas de la rue là, parce que la marie sont en train de faire chaud. Et son seul côté, il voit la mer. Ce mari dormi en bas de la rue là, et puis le loup d'avoir à passer. Les pour passer, ils n'ont pas qu'à passer. À cause, ce mari qui a dormi en bataille. Regardez, il a détaché, il a dans un bon lugar. Il dit ce mari pour lui, il y a une petite chose pour passer. Amen ou pas, amen. Regardez, ce mari, c'est un servant de Dieu, c'est un adventiste du 7e jour. À cause, présence ce mari, bon lugar, pas qu'à passer. Parce que là, il y a un servant de Dieu. Qu'on est là, il y a bloqué. Parce que servant de Dieu a dormi, qu'il est servant de Dieu a dormi. Alors, bon loup là où, sous capable, et de vite passer. Parce que les anges qui campent là, ce sont des anges de Dieu, et un servant de Dieu a dormi, lui protéger. Gardez, bien aimé, lorsqu'on servant de Dieu, ou son serviteur de Dieu, nous n'avons qu'à nous protéger. Regardez, il y a des machines qui étaient à tomber, des avions qui étaient à tomber, à cause de la présence de l'homme de Dieu, à cause de la présence de serviteur de Dieu, eh bien, tout le monde protégé. Amen. Amen ou pas amen. Il a dit, va faire miséricorde, bien aimé, jusqu'à combien? Va faire jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent ça. Bien aimé, pas occupé aucun pasteur protestant qui a fait tout comme ça par les commandements. Commandement pour Dieu aboli, et pas vrai. Pas occupé et l'argent de les autres sous tête, vous avez. Pas occupé. Si vous voulez l'été, bah, manger l'argent sous tête, nous, ça fait garder nous. Mais Bible a dit, bien aimé, Bible a dit, bon Dieu dit, m'a fait miséricorde jusqu'à combien? 1000 générations à tout le monde. À monde qui remet et qui garde qui ça. Or, les malades dans Jean 14, verset 15, nous devons ça hier soir, il dit que Jésus dit, si on me remet, c'est pour garder qui ça. Et comment faire pour le pasteur était sous chair pour dire les commandements? Ça, ça veut dire commandement. Commandement, c'est loi. Commandement, c'est loi. C'est principe. Et vous voyez? Donc, dès qu'on parle de commandement, c'est loi. Bon, monsieur, ça fait force américa, c'est loi. Bon, si Périssa n'a pas de loi, si Périssa ne peut pas respecter la loi, c'est là qu'on garde, même si j'avais Haïti. Mais parce que Périssa, son pays ne respecte la loi. Regardez, Périssa a 50 États. Regardez, Florida seulement a fait des bottes 4 fois Haïti. Florida seulement. 5 fois. Bon, vous avez regardez, oui. Haïti gagne 27 750 km². Or, États-Unis gagne presque 10 millions de km². Tout le monde a payé à vivre. Tout le monde veut manger, plus manger. Nous, je ne travaille. Nous, je ne caille. Ça fait mal à faire la vie.
Haïti, regardez, depuis nous dans ces chers, allez voir pour lui. Non, regardez, moi je voulais président Trump, je viens traverser la lumière où j'avoue ce qui a passé. Qui d'ailleurs va lumière là, lumière la reine pour essayer de traverser. À moins que le ça, lui fait partie de une délégation présidentielle. Bon, dis-moi, si le président, il y a une machine, il y a une délégation présidentielle, et puis il y a un policier qui devant, il y a passé boule là, le ça, même si il y a une lumière, ça c'est émergency. Mais si le président est une machine privée, il y a une traversée, lumière là qui est, ça va passer. Il y a un savon là qui est. Haïti, qui doit, ou dans la rue chef ticket. Policier, ça, on a tout révoqué. Bien mourir ou pas mourir. Bien aimé, ça fait force, le pays, c'est loi. Ça fait force, la famille, c'est précis. Ça fait force, une église, c'est loi. Mais le monde dit ou pas de loi, on s'assoit sans loi. Et nous s'asseyons hors la loi. Amen. Hein? Amen. Papa dit samedi. Les gens nous disent pas de loi. Ils seront sans foi. Ni loi. Ils seront hors la loi. Ils seront sans loi. Les bien-aimés, bon Dieu, des lois. Amen. Amen ou pas amen. Amen. Car bon Dieu, des principes. Amen. Car bon Dieu, des lois. Il a dit, m'a fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui donnent. Et de mes, on l'a clé, oui. Amen ou pas amen. Amen. On va laisser fâcher, non. Depuis son côté, on ne parle pas des lois. On ne sait pas 100 fois des lois. On a fait ça, oui. Il n'y a pas ça, il n'y a pas tué mon tour, ça y aurait. Mais quand il y a des lois. Amen. Septième commandement, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu, amen. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom. Amen. Aïe, aïe, aïe. Huitième commandement, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras ça. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est. Car en 6 jours, l'Éternel a fait qui ça? Les cieux. Les cieux. La terre, la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et la santé. Bien aimé, regardez. Ce n'est pas des pasteurs pour marcher. C'est des Jésus pour marcher. Amen. C'est pas des l'église pour marcher. Et c'est Jésus qui marche. Amen. Allez, bien aimé, l'église m'a sauvé. Mais c'est Jésus qui a sauvé. Amen. Mais pour Jésus sauver, il faut faire voler l'évangile. Amen. Amen ou pas amen. Amen. Allez, c'est pas une question que nous voulons l'église ça. Mais c'est une question qui ça, bon Dieu, m'a dit pour me faire. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Allez, c'est pas remettre l'église, moi, mais c'est remettre Jésus. Et le premier Jésus m'a fait ça, Jésus, moi-même. Et si l'église ne m'a pas réveillé, moi, plutôt Jésus, parce que l'église. Amen. On va dire Amen, non? Amen. On va dire Amen, non? Amen. Allez, on va parler de Jacques Mel. Amen. Regardez, bien aimé, regardez. La Bible claire, regardez, je m'a fait ça, pasteur, moi-même. Mais c'est ça, Jésus, moi-même. On n'a pas fait ça, mon père m'a dit. Mais c'est ça, Jésus m'a dit. Ouais, moi-même, moi j'étais bien avec paix. Tellement j'étais bien avec paix, j'étais senti paix. Dès qu'on allait
dans l'évêché au caille. Je vais pencher pour mon gros Francis Moïse dans l'évêché. Je vais père, je avec eux. Je vais un évêque, je vais bien avec eux. Regardez bien aimé, je suis toujours dans la cathédrale au caille. Dans l'église, chaque dimanche. Chaque vendredi, chaque samedi soir, nous ne savons pas. Mais là, regardez, moi, la Bible, la Bible la dit, Jésus dit, si vous nous aimez, c'est pour observer par le bon. Là, je parle de l'école au caille, moi, je prie statut, moi, je prie Saint-Louis, je passe même sous la Saint-Louis. Je dis, Saint-Louis, fais intelligent l'école, oui, fais passer. C'est une passion de bon. Parce que la Bible a dit, il y a une bouche, il n'y a pas qu'à parler. Il y a des yeux, il n'y a pas qu'à voir. Il y a des mains, il n'y a pas qu'à toucher. Il y a des pieds, il n'y a pas qu'à marcher. Mais bon Dieu, pas non. Ils vivent au sein des airs. C'est ça que fait, bien aimé, nous n'avons pas servi notre Dieu, ni notre bagaille, que nous, mais nous avons servi l'Éternel. Car, en six jours, l'Éternel a fait les cieux. La terre, la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé toujours. Quand on dit qu'il y aura qu'un petit jour, on ne va pas connaître. On va connaître. Quand on arrive dans la quatrième commandement, on va connaître. Mais mon Dieu connaît. Mais il a dit, le septième, moi-même, je vais à l'école. L'aime de l'école, il a dit, bien, le article défini, précision. Et on dit, bien, un article indéfini, imprécision. Et la petite, le septième. C'est-à-dire, pas de un septième, pas de plusieurs septièmes. Et on sait le septième. Amen ou bien amen. Amen. Amen ou bien amen. Amen. Allez, bien aimé, Bible a dit, bon Dieu dit, notre travail. Bien aimé, le travail, c'est un commandement de Dieu. Nous devons travailler. Pour qui va travailler, il va nous manger. Ou pas de garçon, ou pas de façon, sans le travail, ou pas de travail même. Regardez, vous savez, il est bien, regardez, il a cherché mes, il a cherché vous pour aller quoi. Non, regardez, garçon, respectez que tout, c'est ou pas femme quoi. Appelez-le Amen, non? Amen! Allez, bien-aimés, vous savez, les garçons, ça est vicieux. Allez, garçons sérieux, allez, c'est vous-même qui fonctionnez avec nous. Bible a dit, madame, c'est un aide pour vous. C'est un aide. Et c'est vous pour travailler. Pression madame. Pression petit tout. Mais madame, vous ne pouvez pas arrêter là dans ça. Vous êtes un seul droit de ne pas manger dans la rue. Si à vous, même si vous travaillez, vous pouvez aider la rue. Regardez, ouais, les garçons, regardez. Les garçons, regardez. Allez. Lumière, c'est les capés. L'eau, c'est les capés. Chauffage là, c'est les capés. Mortgage là, c'est les capés. L'eau, c'est les capés. Gaz là, c'est les poubelles. Allez dans le problème, ça, c'est les poubelles. Walmart là, c'est les poubelles. Laisse la couvrir mon chat, il ne voulait pas capoter. Où il doit l'eau. Regardez, même sous pas capé. Regardez, garçon, c'est le poubé et le mortgage. La source est libre, madame, des cailles pour l'habiter. Amen. Amen. Regardez, vous savez, les garçons, regardez, il a cherché une fille qui est noyée pour marier. Regardez, les garçons respectés, c'est tout pas comme ça. Amen. Regardez, Bible a dit, bien aimé, nous devons travailler. Tu travailleras six jours et tu feras. Tout le monde là, regardez, même si on travaille, il faut reposer. Parce que regardez, le travail, si on avait reposé, travail a déposé. Madame, amen. Amen. Regardez, si on travaille, on avait reposé, et le travail
déposer. Amen. Il est déposé et vous voir mourir. Chien doit péter. Regardez, bien aimé. Regardez, vous avez des monde, il y a travail. Il y a le bien vous élevé, bien que le bac à côté. Où il y a bien la vie, Léo. Regardez, pas de problème pour vous dire. Mais prenons bien côté pour sentir capoté. Amen ou pas, amen. Amen ou pas, amen. Il a dit, tu travailleras, mais tu te reposeras. On va reposer seulement, on va travailler seulement. On va travailler, on va reposer. On va reposer, on va travailler. Amen ou pas, amen. Amen. Regardez, vous savez, les gens, où va nous vivre dans le pays? Est-ce que vous voulez résider dans le champ? J'ai son bouche ferme. Président, je ne veux pas sauter dans le pays et pour venir, pour le manger. Regardez, on va venir faire parler dans le pays. Regardez, bien aimé. Là, en France, maintenant, on nouvelle, il y a une aide qui rentrait 15 000 euros dans le marché de l'édition. Et puis, il n'y a pas aide. Il n'y a pas aide. Et puis, il y a une allocation familiale. RMI, il n'y a pas aide. Il y a une barrière. Ils ont été là, grenier petit, ils n'ont pas de travail, et puis après c'est pas elle. Non, bien aimé, c'est abuser mon système. D'ailleurs, le travail, c'est la liberté. Amen ou pas, amen. D'ailleurs, moi-même, on est haïtien autant, c'est vous qui devez rêver le travail. Et après, bien aimé. Amen. Mais écoutez, là, depuis la liste, c'est la liberté. Oh oui, il n'y a pas de travail. Quand il a cherché fille pour travailler, oh, même mon problème. Moi-même, si je suis à la caille, regardez-moi, madame, la bonne manger, ça va me faire l'argent, nous sommes fini pour mettre qui à le bouchement. Comment va pas elle-même? Amen ou pas, amen? Amen ou pas, amen? Regardez, on doit se respecter tes doux. Regardez, on a un fille à bon manger. Ou pas gagner l'argent, ou pas gagner le fond de la tête. Et vous, je t'en prie, qui est? C'est l'éternel? C'est l'éternel? Allez, faut aller plus vite, faut aller plus vite. C'est le commandement, Jésus, décidé, bah, il est là. Bah, je l'ai bouché. Il dit, honore ton père. Pas pour ça. Regardez, il est le bon problème. Moi, mon problème, il n'y a pas de loi. Mais Jésus cité le 10 commandement, il dit je l'homme, honore ton père. Oh, il y a un bon pasteur protestant qui parle de la loi. Il a dit c'est derrière Jésus qui a marché. Bon problème. Bon problème. Regardez, Jésus cité, il dit honore ton père. Bon tourné, bon tourné, bon tourné. Bon allez. Regardez-moi, regardez. Bien côté Jésus t'a parlé. Ouais. Côté. Venez. Où va là? Jésus dit, tu connais les commandements. Tu connaîtras. Tu tueras. Tu n'auras. Tu diras après. Honore ton père. Qu'est-ce qu'il dit ça? Jésus. Et vous dites que la loi? Amen. Allons-y pour elle. Anouale dans la constitution. Reversez-la. Attendez, mais ça dit. Honore ton père afin que tes jours se prolongent dans le pays de l'éternel ton Dieu. Comment fait-il pas des lois même? Oh non, il n'y a pas à comprendre ça. On dit pas des lois, mais Jésus dit, honore ton père. Quand elle est sortie, c'est dans la loi. Dans les petits commandements de la constitution divine. Ils disent, oh non, ton père, bien aimé, ils ont petit, leur respecter maman avec papa, va vivre longtemps sur la terre. Ils vont manger, bien aimé, la famille, papa malade. Allez, moi, papa, malade ici, nous faisons presque deux mois. Ma paye papa, service first class. Tout le monde dit waouh! Il m'a changé, c'est ça possible? Qu'on y a de la maman mourir.
Est-ce que c'est les mourir pas payer pour enterrement pour lui? Non! Regardez, depuis réel vivant, moi je sais quoi l'être, les toilettes, moi nettoyer elle, je prends mes miroirs, regardez, je nettoyer elle, je fais tout le bagage pour lui. Les deux petites filles, nous tous participer pour aider papa. Parce que Bible a dit, mes bébés, honore ton père et ta mère. Ma chambrier, les papas me voyager à Guyane française. Ma connaît fait certificat. Mon nom prend où la travail marécage. Les papas me parvoyer quoi? Mon nom travaille pour capable prendre soin de petite fille. 5 petits garçons et 3 filles. D'ailleurs, je ne vais pas qu'une femme comprenne. Vous n'y a pas compris, les pas faire un dollar, faut me voyer, moi tu es un dollar, pas mon nom. Je ne vais pas avoir mangé tout de même. Moi je vais même. Oh, regardez, faut me songer, mon nom. Regardez, il y a un groupe qui respecte les groupes, c'est pour faire parler Marie, songer, mon nom. Regardez, vous savez, les belles filles, il y a une place pour parler, parler. Mais on va venir au parent Mario. Regardez, là où on m'a fui pour là, ma chambre est ça. Là où on m'a fui pour là, regardez, il est chassé là, dans un petit bol, il dit, mais ça me bat. Il dit, est-ce qu'on a une femme qui a fait ça pour? Oh, regarde, notre semaine, on va aller à Haïti, on a fait 2 semaines avec. Est-ce qu'on pourrait une femme qui a fait ça pour passer? Oh, regarde, madame, on a dit, mais cependant, il est là, nous devons réunir madame nous, nous devons réunir maman nous. Nous devons réunir papa nous. Regardez, moi-même, regardez, nous voulons parler. Il y a un garçon, pas aimé. Famille, il n'est pas aimé. Famille, madame. Regardez, moi-même, les moments madame nous a couru, il mourit dans même. C'est pour baptiser, après 1 heure de temps, maman, il mourit. C'est mon baptiser à la gloire de Dieu. Papa m'a de moi, même bagaille. Nous connaissons les chita. Nous connaissons les petits belles, les petits sucrés, les balles porte-prince, marocaï, nous pouvons être pour lui avec les sucrés. Bien aimé, Bible a dit, l'on aimé maman ou aimé papa ou à vivre. Amen ou pas amen. C'est 6e commandement. Tu me tueras. Oui. 7e commandement. Tu me connaîtras. Oui, un seul mari. Un seul madame. Un seul madame. Un seul mari. Lorsque mari, tout commence pour mari. Amen. Vous allez avoir à dormir. Vous allez vous dire, vous êtes sous vous. Vous allez colon, vous êtes sous vous. Comme si vous allez à l'outil d'avelle. Et comme si les filles vous l'avachetez. Comme si c'est pas l'argent, ou pas payer rien, non, non, mari est quoi, c'est mon mari. Et d'aller bien aimé, de comprendre votre mari, il n'y a pas fait qu'il s'est là. Amen ou amen. Mais, depuis manger, il n'y a pas fait qu'il s'est là. Parce que votre vie est tombée. Amen ou amen. Si vous voulez sauver, observez ça. On dit par les commandements,
Jésus dit, si vous m'aimez, observez mes commandements. Et puis si tes commandements, mes commandements. Amen ou pas amen. Regardez, mes petits commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu ne feras point d'image. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras. Bien aimé, c'est pour travail, mais c'est pour. Et qui jour vous nous reposer? Septième jour. Regardez, moi-même, moi j'ai pour nous reposer premier jour. Et mon pasteur protestant, mon Dieu, bah, le message là. Libre-moi, par l'église, premier jour encore, qui c'est dimanche, et m'adore mon Dieu chaque sabbat selon le quatrième commandement. Amen. 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 Cinquième commandement, respectez maman. Respectez papa. Vous m'avez dit, regardez. Vous m'avez dit papa avant maman. Ah, ça, papa. Vous m'avez dit, il dit, honore ton père d'abord. Vous savez, il est bien aimé, vous savez, il est garçon. Vous avez fait petit, tout ce que vous occupez. Amen. Bon, moi-même, regardez, bon, dis-nous, bon, dis-nous, bon. Moi-même, le fait que vous fille accepte de rêver avant, vous fils arrivez à coucher avec vous, son gros bagage lié. Vous fille, vous avez un petit, avant de sortir à vous. Vous l'avez un petit là, vous avez l'air d'un travail, les deux mots. Où est-ce que vous êtes en haut? Cinquième commandement, honore ton père. Sixième commandement, tu ne tueras. Septième commandement, tu ne te mettras pas. Huitième commandement, tu ne l'auras. Neuvième commandement, tu ne porteras la paix de fort. Et sixième commandement, tu ne convoiteras. Est-ce que vous croyez comment ça y est là? Amen. Combien de d'accord avec vous? Amen. Amen. Laissez-nous. Combien de amis visiteurs nous avons qui croient que comment ça y est valable en votre vie là? Amen. Amen. Bien soit l'Éternel. Amen ou pas amen? Amen. Bien que l'aimé, pendant que nous bagaille à soi, la constitution divine a répété dans le Nouveau Testament. Regardez les 10 commandements dans le Nouveau Testament. Il y a des gens qui disent, s'il n'y a pas le Nouveau Testament, il ne va pas prendre. Mais le Nouveau Testament. Premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Jésus dit dans Matthieu 4, verset 10. Deuxième commandement, il dit, parfait image taillée. Où je lis tout le Nouveau Testament. 1 Jean 5, verset. Acte 17, verset. Troisième commandement, respectez-le mon Dieu. Où je lis dans 1 Timothée 6, verset 1er. Quatrième commandement, lis avec. Pardon. Il y a le quatrième commandement. Il dit, souviens-toi toujours du repos pour le sanctifier. Les maris dans Matthieu 24, verset 20, il dit, pour me capable de prier pour persécution par les vêtements. Le jour ça va. Dans Hébreu, chapitre 4, verset 9 à 11, il dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Amen. Amen. Il y a donc un repos de sabbat réservé à qui est-ce? Allez, sous ces pères bon Dieu, Hébreu 4, verset 9 à 11 dit, il y a donc un repos de sabbat réservé à qui est-ce? Il dit, même Jean bon Dieu qui reposait, on est ma voix, c'est pour nous. Matthieu Hébreu, chapitre 4, verset 9 à 11. Cinquième commandement. Il dit, ça dit le septième commandement, honore ton père et ta mère. Les valides dans Matthieu 19, verset 19, il dit même bagaille là. Les valides dans Ephésiens 6, verset 1 à 3, il dit qu'il y a un seul commandement avec nos promesses, c'est le septième commandement. Respectez papa, respectez maman. Amen ou amen. Sixième commandement, ça dit bien aimé. Sixième commandement dit. Il dit pas tuer. Eh bien, l'Église, dans Romains 13, verset 9, Jacques 2, verset 11, Matthieu 7, verset 21 à 26, moi je veux même parler là. Les parler dans le 7e commandement. Il dit dans le 7e commandement, qui ça dit, tu ne connaîtras pas l'adultère. Jésus dit dans Matthieu 5,
Verset 27. Si vous voulez garder vos femmes, vous tellement garder vos femmes, non. Si vous voulez garder vos femmes, gardez combien Jésus dit, gardez ou déjà fait péché avec. Matthieu 5, verset 27 à 22. Matthieu 19, verset 18. 8e commandement, ça dit, pas voler. Mais là, Ephésiens 4, verset 28. 9e commandement, ça dit, pas bail, faux témoignage. Ephésiens 4, verset 25. Matthieu 5, verset 37. Il dit, que votre oui soit. Oui. Que votre nom soit. Non. Et vous avez pris la loi. Si c'est un commandement, aïe aïe aïe, si c'est un commandement, ça dit, tu ne peux pas là, Romains 7, verset 7, où je dis la donne. Donc, bien aimé, les 10 commandements que Jésus a cités dans Exode 20, lors de le Nouveau Testament, où je dis tout commandement, ça y est tout. Amen ou pas amen. Et dans Matthieu, chapitre 7, verset 17, ça dit, Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour abolir. Aïe, aïe, aïe. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront rien, il ne disparaîtra pas de la loi. Un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que. Béni soit l'Éternel. Amen. Amen ou pas amen. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Et je prends le verset 15. Ça dit bien aimé. Il dit, les 10 commandements, c'est bon Dieu même qui écrit. Aïe aïe aïe. Moïse retourna. Moïse retourna et descendit de la montagne. Les deux tables, c'est-à-dire les tables de pierre. Du témoignage dans sa main, les tables étaient écrites des deux côtés. Et parce que nous devons aller là. Il dit, elle était écrite de l'un et de l'autre côté. Il dit, les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture grave du côté. Ah mais bon Dieu, vous l'écrit. Bon Dieu, c'est écrivain. Ils sont législateurs. Ils sont parlementaires. L'Éternel c'est un député. Et bien les députés nous connaissons, non? L'Éternel c'est un sénateur. C'est là qu'il faut faire loi. Amen ou pas amen. Il a dit, c'est pour bon, l'ouvrage et de l'ouvrage de Dieu. Regardez, bon tout le monde. Mal fini. Vous imaginez bon Dieu écrit si commandement. Bible a dit c'est bon Dieu qui vient avec table là. Bible a dit des tables de pierre. Quand est-ce qu'on déjeuner? Écoutez, je vous dis. Au cas de bon Dieu, les amis. Allez, bon Dieu, préparez le tableau lui-même. Il prépare. Les filles, préparez. Il m'a dit qu'à Moïse écrit. Il m'a dit qu'à Moïse écrit. Ça fait, il écrit avec droite. Moïse crasé. Il dit Moïse, on va faire tableau pour des bombes encore. Et c'est moi qui a écrit. Cela veut dire qui ça? La loi de Dieu, c'est pas la loi des hommes, mais c'est la loi de Dieu. Amen. Bon Dieu écrit. Mais mes amis, mon Dieu, si mon Dieu t'aime, est-ce que ma cabane Moïse pour écrire? Il fait Moïse préparer la table là. Et après quoi, Moïse pour le mari. Et écrit lui-même. Béni soit l'Éternel. Si mon Dieu pas écrit, le baptiste c'est la loi de Moïse. Mais bon Dieu écrit avec droite. Et ça, mon Dieu écrit, c'est pour respecter. Amen ou pas amen. Bon, bagaille, il dit en matière de droit. Il dit, c'est une loi qui est capable d'abroger une autre loi. C'est une loi qui a aboli une autre loi. Nous ne pouvons pas arrêter pour dire, oh, une loi ça aboli. C'est une qui a autorité qui a aboli. Amen. Oh, bagaille, il m'a dit comme ça. Non, le président Trump finit écrit. Et puis il y a qui a fait. Il signe la balle. Et quand on a dit, il y a des gens qui ça. Amen ou amen. Amen ou amen. Et lui, il a dit, celui donc qui supprimera, c'est-à-dire qui éliminera, qui ôtera, qui enlèvera l'un de ses plus petits commandements. Et qui enseignera aux hommes à faire
appeler le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui est au ciel de là, aïe aïe aïe, Adventiste, vous ne pouvez pas prêcher la voix, mais c'est pas prêcher seulement, mais il faut mettre la pratique. Amen. Amen, amen. Amen. Regardez, moi-même avec, regardez, mon pasteur, ma prêcher, nous sommes prédicateurs, nous sommes évangélistes. Oui, c'est facile pour me dire. Mais là, vous mettez en pratique la seule bataille. Bible a dit, ce n'est pas prêcher seulement, mais il faut mettre en pratique. Amen ou amen. Il dit, celui qui les observera et qui enseignera à les observer, ça m'a fait là. Amen ou amen. Celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. L'observera, mon Dieu, et puis va prêcher pour lui observer. Ma grande ciel-là. Béni soit l'Éternel. Amen. 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 Jacques chapitre 2, il dit, car quiconque observe toute la loi, et pas dit mal loi. Mais l'apôtre Jacques, c'est frère Jésus qui a écrit ça. On se oui, frère Jésus. Il dit, car quiconque observe toute la loi, mais pêche qu'on observe le commandement, il devient coupable. Alléluia. En effet, celui qui a dit, tu ne commettras point d'adultère, c'est le septième commandement. A dit aussi, tu ne tueras point, c'est le huitième commandement. Or, si tu commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Cela veut dire, bien aimé, m'a observé toute loi de Dieu avec grâce mon Dieu. Quand tu as une force là, c'est mon Dieu qui a pas même. Mais mon guide, quand est-ce qu'on observe? Quand est-ce qu'on observe le roi bon Dieu? Ah mais si bon Dieu connaît pas café, là pas non. Qu'est-ce que bon Dieu d'abord? Bon Dieu d'abord moqueur. Bon Dieu d'abord bêtiseur. Mais bon Dieu c'est mon bien. Amen. 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 Et il dit, parlez, Jacques 2, verset 12, parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de. Amen. 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 1 Jean 3, verset 4. On a fini. 1 Jean 3, verset 4. Ça dit, quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de ça. Amen ou amen. 1 Jean 2, verset 3. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Verset 4. Celui qui dit, je l'ai connu et qui ne garde pas ces commandements est le menteur et la vérité n'est pas de lui. Amen, amen. Amen. Regardez, il a dit, si je dis que je connais Jésus, même pas observer les commandements de Dieu, ça vient là. Amen. Et les menteurs n'hériteront point le royaume de Dieu. Moi qui menteur va dans le ciel. Verset 7, toujours 1 Jean 2, verset 7. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes sans lui. Celui qui dit, qui demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché. Amen. Et demain, nous-mêmes qui baptisons déjà, et nous-mêmes qui allons baptiser, pasteur pas modèle, ancien pas modèle, Jacques pas modèle, dame missionnaire pas modèle, nous qui modèle, c'est Jésus. Amen. Mais c'est celui qui dit qu'il demeure en lui, c'est-à-dire en Jésus, doit marcher comme Jésus a marché. Jésus c'est modèle. Pasteur qui a tombé. Ancien qui a tombé. Mais Jésus n'a bien tombé. Amen. Les hommes sont pas pour lui. Leur appuyer sur lui. Ni lui-même, ni eux-mêmes pour tout le tombé. Mais leur appuyer sur Jésus. Allez, qui se revoit Gaïa. Amen, amen. Amen. Même sur le balancé. Il va tomber parce qu'il est solide. Bien aimé, ou même avec, on servit Jésus, on campe sur Jésus. Comment vous voulez servir Jésus à soi? Amen. Comment vous voulez observer les commandements de Jésus à soi? Amen. Béni soit l'Éternel. Bien aimé, Bible a dit vous qui observez les commandements de Dieu, vous avez béni. Amen. Alors, vous n'avez aucun pasteur. Quand tu fais la vie sous tête, nous, et nous, puis une voiture, ils sont gros d'un clé. Bien aimé, regardez, pasteur, pas béni dans le ciel, c'est Jésus qui a béni dans le ciel.
Ce n'est pas les pasteurs pour marcher, c'est les Jésus pour marcher. Amen. Il y a des choses que je ne pas faire. Parce que je me dis, si Jésus était dans la place, qui ça a fait? Et là, oui. Alors, quand le conseil de belles qu'on met sur la terre, comme elle est belle. Mais Bible a dit, tu me connaîtras pour la vie. Nous devons dire 5 qu'on est, 10 qu'on est, 15 qu'on est, 20 qu'on est, ou marchons au bal qu'on est. Mais Jésus dit, bien aimé, il a dit, l'homme qui casse son père et sa mère et s'attache là à une seule femme. C'est ça, rien. Bien aimé, pas que belle bataille comme ça. Quand les gens vont combien de temps vivre, pas faire combien de temps vivre. Et paradis sous la terre, oui. Paradis, allez, bon, allez, bien aimé, si elle a déjà commencé à vivre sous terre, oui. L'homme, madame dans les maisons, ou comme mari, ma roue, les maisons, ils nous supportent l'autre. Nous comprenons l'ordre, nous avons mangé de manger, nous avons dormi de dormir, nous avons parlé de parler, nous avons sorti de sortir. Le rap doit toujours demander, mais après quoi nous réconcilier? Amen. 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 Les dames, regardez, bon Dieu créé nous pour nous bailler la vie. Regardez, l'homme qu'on a fait un bon fils, bien aimé, c'est paradis sur la terre. Amen. Et là, on dirait, il a dit. L'homme côté avec un bon mère, c'est paradis sur la terre. Amen. Il a dit, Salomon dit, maman, papa, au camou, il quitte bien pour vous. En dehors. Mais l'homme côté un bon femme, c'est bon Dieu pour la vie. Amen. 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 Gardez comme bien l'église, faire bon mère. Amen. Amen. Gardez, vous savez les mesdames, quand on va vous marier, vous respectez Marie. Mais quand on est sur le marié, il va respecter Mario. Tout le monde est sur l'étalé. De Miami, de Miami, et puis, m'a passé ensemble, m'a descendu dans le caille, et puis m'a dit, maman, fille a dit comme ça, passé, fils, on va la rouler, t'as dit. Maman, fille, oui. Il dit, fils, ça se l'état, il me dit comment? Il dit, oh, parce que fils a arrêté Marie. Il est carré, Marie, bien carré. Et puis il me dit, fille, comme ça, oh, pourquoi nous allons lever bien sous Marie? Il dit, oh, parce qu'elle défait les autres. Il dit, parce qu'elle défait les autres, mais carré, bien carré, depuis là, ça va faire les autres encore. Bien aimé. Allez, bonjour, bagaille. Bien aimé, grand monde, pas grand monde. Amen. 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 Grand monde, pas grand monde. D'ailleurs, dans le pays, ça, j'ai notamment élevé le mien son fils, qui a fait la même. Et ensuite, tout le monde sous Marie, Maria a fait la même. Pourquoi mon fils osé vous permettre pour lever le mien pour caler Marie? Bien aimé, assoya que tout le monde qui est dans l'église là, ni garçon, ni femme, n'a fait bon monde à la gloire de Dieu. Bon mari, bon madame. Amen ou amen. Que bon Dieu bénisse moi, soeur. Assoya, Jésus dit, si vous m'aimez, le monde qui vient au sein du commandement Jésus à soi. Parmi nos amis visiteurs, va inviter tout le monde qui veut observer le commandement de Dieu. Levez-nous à soi. Tous les amis visiteurs, mettez-vous debout à soi. Mettez-vous debout tous les amis visiteurs. Tous les amis visiteurs qui veulent observer le commandement de Dieu, mettez-vous debout. Carré, est-ce que le commandement ça a été péché à soi? Est-ce que le cœur? Oui. Est-ce que vous croyez dans la Bible là? Amen. Regardez, si on est dans la Bible là, c'est que la bonne pour moi. Amen ou pas amen? Si on est dans la Bible là, c'est bon Dieu qui voulait le voir et si vous pratiquez le voir, c'est la vie éternelle. Amen ou pas amen? Assoyez, parlons de loi. Parlons de tout le monde qui est debout. Tout le monde qui est debout, parlons de pour être bon.
téléphone, yo, adresse yo, au nom de Jésus. Et à soi, nous allons chanter comme Messie là. Allons chanter à la gloire de Dieu et l'a invité, chantio. Amen, amen, amen. L'a invité, chantio, puis au capable d'une chanter les six commandements à la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Après mon téléphone, non? Avant service a fini, mais le soir, après mon téléphone, non? À la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen. Parce que nous avons toute sa vie même. Toute sa vie, par le cadre, pour observer le commandement de Dieu. Amen, amen. Parce que vie n'est pas, c'est vrai Dieu, c'est moi, d'a chanté le petit commandement de Dieu. Parce que vie n'est pas, c'est vrai Dieu, c'est moi. Papy et poitré, n'aime pas te manger, n'aime pas te laisser, n'aime pas te laisser, pas mettre à genoux devant le souper. Comme un Messie, était l'homme de moi, pas pour des idoles, ça m'a été reçu. Grâce à Dieu, merci, Jésus a payé pour marcher dans l'autre. Et la vie, pas m'étager non, devant qui on l'aime, pas bien qui l'aime, c'est un créateur, la vie éternelle.
Bien-aimé, assoya, souvenez de Jésus pour observer les commandements de Jésus. Amen. Dans notre Saint-Esprit, nous voulons prier. Papa, nous qui dans le ciel là, assoya, nous te disons grand merci parce que nous avons une parole là pour nous. Nous voulons arriver dans la caille. Nous demandons pour capable d'accompagner. Prenez le vent, mon d'ailleurs. Mettez un à gauche. Mettez un à droite. Mettez un de victoire. Seigneur, mettez bordeaux dans le pied, nous. Mettez tas sous la tête, nous. Mettez ceinture dans le rein, nous. Mettez bordeaux dans le pied, nous. Mettez épée dans le nous. Et nous, les Jésus, fait marcher sous ennemi, hein? Et c'est pour remporter la victoire à la gloire de Dieu. Papa, nous qui dans le ciel là, bénis chaque monde qui devine la assoya. Et merci de nous faire travail. Parce que parole l'a dit, tu travailles là. Bénis chaque monde qui va travailler. Fais-nous prospérer dans le travail. C'est pour pas trop respecter. Si des gens ne pas trop avoir des problèmes, fais pas nous reposer. Et si pas reposer, venez avec. Parce que faut vivre tout travail. Faut brancher, faut vivre à la gloire de Dieu. Alors que mon mari fait nous dans la caille. Que tu nous renvoies de ce lieu avec ta paix, avec ta grâce, avec ta bénédiction, avec ta protection, qu'il en soit ici. Dans le nom de Jésus. Amen. Par le nom de Jésus. Amen. Pour le nom de Jésus. Amen. Lui qui vit et qui demeure, dès à présent et au siècle des siècles. Amen. Souvent, mon Dieu de moi, soit dit Amen. Amen. Souvent, Jésus de lui, on dit Amen. Amen. Alors que mon mari vient nous dans la caille. Pour que nous capables visiter, pour nous étudier avant. Bien aimé, d'appuyer baptême, notre semaine, si Dieu veut, d'appuyer baptême à la gloire de Dieu pour tout le monde qui est en Dieu. Amen, amen. Donnez lui à vous tous et à vos soins.